الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bégote nous vivants, l'eau sur la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre parmi ban qui nous servissent à la vie qui Allah peut donner nous là, nous servir de sur l'obéissance et nous faire maximum bon action qui vous profite nous, après nous l'amour. Et aussi nous servir protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Ria. Qui Allah met sincérité dans toutes nos bonnes actions qu'il nous fait ces bonnes actions-là, juste pour faire les tout seuls plaisir. Nous continuons l'explication concernant khushu de salat. Toujours avant de continuer, un rappel concernant bonnes actions qui nous sont mentionnées la dernière fois, bonnes moyens plutôt, qui, inshallah, ça peut aider nous pour amener khushu, pour améliorer nos salat. Nous y causons concernant nous pensons concernant ben salaf al-salih, ben pieux prédécesseurs, ben qui fin vivre dans le passé, ça ben dit moun la, façon qui ben la tu peux faire salat. Parce que, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleure génération, qarni, c'est génération du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma alladhina yalounahum, thumma alladhina yalounahum. Ensuite, veut dire génération ben sahaba, ensuite, ben qui finit après man sahaba, man tabi'in. Et ensuite, après ben qui finit après man tabi'in. Ces trois générations-là, c'est sa même ben meilleure génération qui sa ummat-là fin produire. Et sa ben zimoun-là, il n'y a aucun doute, c'était ben zimoun qui, je tiens à la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ben zimoun qui fin vivre pour akhirat. C'était ben zimoun qui nous visait à prendre autre comme un modèle. C'est ben des monde qui nous faisait prendre autre comme nous l'exemple dans nous la vie. Ça c'est ben vrai salaf salih, ben vrai salaf, ben qui je fin vive comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne les autres. Et vraiment, c'était ben des monde qui tenait une sincérité dans autre lesquels, tenait une sincérité dans autre. D'accord, ça qui nous peut trouver, qui nous faisait prendre ben là comme nous modèle. Dans ben ibadat qui nous fait dans nous la vie, surtout ça ibadat qui appelle salat là, quand nous guette ça ben dimoun là, sa qualité salat qui ben là tu veux faire là, vraiment les différents de salat qui nous fait de nos jours. Pour aujourd'hui, action qui ou soit moyen qui est là avec nous, qui inshallah ça peut aider nous pour nous amener khushu dans nos salat, en dimoun. De cela vie, les bizarres manquent quelque chose. Les bizarres manquent quelque chose de cela vie. Qui les manquent quelque chose mondaine, ou soit même manquent quelque chose concernant son akhirat. Et nous, en tant qu'un musulman, nous sûrs et certains, qu'il n'y a pas de quelque chose qui nous bizarre. N'y a pas de problème, n'y a pas de difficulté qui nous était, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable. Enlève nos bonnes difficultés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a sa pouvoir, qui a sa capacité pour donner nous ce qui nous besoin là. À cause ça que tous les jours, chaque rakat qui nous fait dans la salat nous dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu, c'est toi-même qui nous adorer, wa iyaka nasta'in, et c'est avec toi-même qui nous cherche aide. Et parmi les moyens, quand nous capables, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui nous besoin, n'importe quelle chose qui nous besoin, qui bon quelque chose qui nous besoin, concernant dunya, concernant akhirat, nous donne problème, nous donne difficulté, nous envie qui nous trouve une solution à nos problèmes, nous envie qui sa difficulté là lui être enlevée, un parmi les moyens qui nous aident, c'est à travers salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu. Au ban qui n'a iman, ista'inu bis sabr wa salat. Cherche aide à travers la patience et à travers salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tadou'unahu tadarru'an wa khufya. Zut, invoque-li tadarru'an wa khufya. En humilité et en secret. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit,
man lam yas'alillah yaghdab alayhi. C'est lui qui pas du mal avec Allah, Allah en colère avec lui. Et c'est lui qui les pensait que moi, pour pas bizarre Allah. Même les problèmes, même les difficultés, lui, il pensait que moi, pour capable de ce problème-là. Pour mes efforts, pour mes moyens qui m'ont essayé de servir, moi, pour capable de ce problème, de sa difficulté-là. Et dans certains dimons, les vivent avec sa arrogance-là. Moi, pas bizarre, mon Dieu, moi. Moi, pas bizarre, Allah, moi. Moi, j'ai un problème, moi, j'ai une difficulté. Tôt ou tard, moi, pour sortir de ce problème-là. Moi, pour sortir de sa difficulté-là. Donc, lui, il pensait qu'il n'y a pas besoin de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les types servis sa ibadet qui appelle salat là, pour les chercher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les types servis sa ibadet qui appelle salat là, pour les demander Allah subhanahu wa ta'ala, doit, pour les demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui les besoin. Et un parmi ma position, qui est recommandé pour un démon quand il veut faire salat, les demandes avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sijida. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un serviteur est le plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala quand il a sijida, et le prophète dit fa akthiru min ad-du'a. Alors, dans sa position-là, augmente ce doigt. Quand nous veut faire salat, quand nous a sijida, c'est une position qui nous plie près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa position là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une recommande nous pour demander beaucoup de doigts. Tandis que dans les autres positions de salat, comme par exemple quand nous dans ruku, il n'est pas recommandé pour nous demander de doigts. Mais dans ce sujet-là, c'est une position que, étant donné qui nous plie près avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous servir sa position qui nous a été de salat là, pour nous demander avec Allah, pour nous chercher avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous demander n'importe quelque chose qui nous besoin. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un doigt qui peut être accepté. Hadith qui trouve dans muslim. Et parmi les doigts que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous, pour nous demander la sijida, un doigt qui nous fait des amanchons, ça doit là, dans le passé, c'est chaud. Deux semaines, trois semaines de cela peut-être, mais dire avant dernier session. Allahumma ghafir li dhanbi diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wa sirra. Oh Allah, pardonne-moi mon bon péché. Quand nous pédions avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, pardonne-moi mon bon péché. Qu'est-ce qui qualité de description qui nous peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala? Qui qualité de péché vous pardonnez? Pas de dire, oh Allah, pardonne-moi, mon bon péché finit la même, non. Nous pouvons dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-nous, mon bon péché, parce que comment nous connaît, péché, il y a des qualités. Il y a un grand péché, et aussi, il y a un petit péché. Donc, peut-être qu'il est capable de nous faire une tombe d'un grand péché. Peut-être qu'il est capable de nous faire une tombe d'un grand péché. Et un petit péché, nous tous. Nous l'avons rempli avec péché. Peine personne parmi nous qui pas fait. Peine personne parmi nous qui pas fait. Allah crée nous faibles. Allah fait mettre sa faiblesse dans l'insan. C'est qui nous désobéit et nous commet un péché. Donc, dans ce jida, c'est un moment approprié. C'est un moment pour nous chercher Allah subhanahu wa ta'ala son pardon. Donc, nous disons, oh Allah, Allahumma ghafir li dhanbi. Oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allahumma ghafir li dhanbi. Kullahu. Kullahu. Allahumma ghafir li dhanbi kullahu, tout mon bon péché, diqqahu wa jillahu. Péché là, qu'il est petit, qu'il est grand, awwalahu wa akhirahu, qu'il est premier, qu'il est dernier, wa zahirahu wa batinahu, et ensuite, wa alaniyatahu wa sirrahu, et péché qui apparent, péché qui m'a fait faire ouvertement, et aussi péché qui m'a fait faire en cachette. Parce qu'il y a un péché qui un démon le fait ouvertement. Mais aussi, il y a un péché qui nous fait en cachette. Aucun du monde ne trouve nous. Nous faisons désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, elle le doit encore que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire la sijda, Allahumma ghafir li ma asrartu wa ma a'lant, wallah pardonne-moi ce qui m'a fait faire en secret et ce qui m'a fait faire ouvertement. Hadith qui trouve dans An-Nasa'i et Sahih al-Jami'.
Donc, dans sijda, c'est un moment approprié pour nous demander Allah subhanahu wa ta'ala pardon. C'est un moment approprié pour nous demander Allah pardon. Nous tous nous commettons beaucoup de péchés dans la vie. Nous tous nous disons Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon. Donc, un moment que nous sommes capables de nous plaindre avec Allah. Nous prier avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec sa position qui nous a été dans salat, dans sijda, pour nous plaindre avec Allah. Pour nous demander Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Pour tout mon péché qui nous fait incapable de commettre dans la vie. Et un autre moment en cours de salat, que les recommandés pour un dimanche de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est après tashahhud. Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un parmi eux est fini, il termine tashahhud, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'il se réfugie avec Allah contre quatre petites choses. Qu'il cherche refuge avec Allah contre quatre petites choses. Premier, punition l'enfer. Cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre punition l'enfer. Parce qu'un musulman, il connaît que s'il n'est pas gagné protection contre l'enfer, s'il y en a pas traversé un certain séjour dans l'enfer, même un jour il traversé dans l'enfer, quelle quantité il peut souffrir? Quelle quantité il peut souffrir? Parce que punition l'enfer, qu'on l'a ou jahannam achadu harra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'on l'a ou jahannam, dit, fait l'enfer, achadu harra. Les plis intenses. Les plis intenses qui s'adifient, qui nous peut trouver, l'on salatia là. S'adifient, l'on salatia là, un tigit nous toussait avec s'adifient là, qui quantité nous crier, qui quantité nous plaigner, qui quantité nous souffrir, nous pas capables de tenir. C'est-à-dire, ça dit fait l'enfer là que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Narukum, je dis fait les une partie des 70 parties de dit fait l'enfer. Veut dire, ça dit fait l'enfer là les 70 fois plus intenses. Est-ce que nous, en tant qu'un musulman, en tant qu'un celui qui nous croit dans l'existence de l'enfer, nous pas besoin de cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre l'enfer? Ou sommes-nous pensés qu'il nous en sécurité? Ou sommes-nous pensés qu'il moi, sûr et certain, mon père, le paradis. Comme il y a un certain infini de lui-même, certificat Jannat. Mais nous, en tant qu'un musulman, nous visons, il y a la frayeur là dans nous. Attention, moi, je traverse un séjour dans l'enfer. Même un jour, un musulman, il n'est pas pour les, un kena iman, il n'est pas pour les traverser. Même un jour, même une seconde dans l'enfer, il n'est pas pour les traverser. Parce qu'il y connaît. Là-bas, il y a des souffrances, il y a des punitions. Donc après tashahhud, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait une recommandation pour nous cesse protection avec Allah contre punition l'enfer. Déjà une petite chose, cesse protection avec Allah contre punition qabar. Contre punition qabar, da qabar ina punition. Da qabar ina punition. C'est une réalité. C'est une réalité. À cause ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne-nous cette protection contre punition qabar. Parce qu'il nous pas connaît. Nous pas connaît nos qabar comment poété. Est-ce que mon qabar les mouvines en journée de ma journée du paradis ou soit sa qabar là les mouvines en fossé de ma fossé de l'enfer. Donc nous misons à faire ses faux. Nous misons à faire ses faux. Comment nous sommes capables d'avoir protection contre l'enfer? Comment nous sommes capables d'avoir protection contre punition qabar? C'est à travers la façon qui nous peut vivre nos salatiers là. C'est à travers nous faire une bonne action. Nous vivons de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vivons de l'obéissance à Allah. Restons avec une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait défendre. Troisième, c'est la protection contre la fitna de la vie et la mort. Et finalement, c'est la protection contre la fitna du Dajjal. Dajjal, comme on nous connaît, ça même plus grand fitna qui insan pour faire face. Dajjal. Qui est pour proclamer lui-même comme un bon Dieu. Il pour faire certaines petites choses qui dans le pouvoir, dans la capacité à Allah tout seul. Mais malheureusement, il y a certaines mandjimoun qui pour les autres même qui embêtés. Pour Dajjal, il y a certaines mandjimoun qui pour croire Dajjal comme un bon Dieu, qui pour accepter Dajjal comme un bon Dieu. Vraiment, Dajjal, c'est un grand fitna. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun prophète qui ne vient, excepté qu'il ait fait avertir ce peuple contre Dajjal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam,
Elle le doit encore qu'il se fait lire après Tashahhud. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal. Oh Allah, me cesse protection avec toi contre le mal de ce qui m'a fait faire et contre le mal de ce qui ne m'a pas fait faire. Allahumma hasibni hisaban yasira. Oh Allah, fais mon compte vin facile. Jour que moi là pour rendre compte avec toi, alors fais-le vin facile. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le fin ansay Abu Bakr radiallahu anhu, pour dire, Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Vraiment, ce doigt là, c'est un grand doigt. C'est un grand doigt qui, beaucoup parmi nous lient ce doigt là. Après Tashahhud, beaucoup parmi nous lient ce doigt là. Mais combien parmi nous qui nous comprend signification ce doigt là? Combien parmi nous qui nous comprend signification ce doigt là? Il ne faut pas qu'il y ait une phrase qui nous peut lire dans la salade, les 20 phrases qui nous peut prononcer dans la langue. Nous peut cesse, nous peut demander à Allah pardon, mais seulement nous ne pas connaître qui nous peut dire. Pour qui ça doit là, l'accepter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire des efforts pour qu'il nous demande avec sincérité. Nous devons faire des efforts pour nous demander ça doit là avec sincérité. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ou Allah m'a fait faire moi-même beaucoup d'ito. Nous, insans, beaucoup dit-on, nous finissons faire nous-mêmes. Parce que quand nous pouvons désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, être sûr et certain, peine à n'envoyer qui peut diminuer de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah son pouvoir, Allah son capacité, de Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même peine à n'envoyer qui diminue de Allah. Quand nous pouvons désobéir à lui, quand nous commettons un péché. Donc quand nous pouvons désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous pouvons faire un péché dans la vie, c'est nous faire nous-mêmes, dit-on. Parce que si nous ne pas gagner Allah sur pardon, si nous ne pas gagner Allah sur pardon pour savoir péché là, alors nous allons traverser un séjour dans l'enfer. Donc, Allahumma inni zalamtu nafsi, ou Allah me fait moi-même beaucoup, dit-on. Zulman kathira. Ou Allah me fait moi-même, dit-on. Zulman kathira. Beaucoup, dit-on. Beaucoup péché nous commettons dans nos vies. Chacun parmi nous nous connaît. Qui quantité péché qui nous fait commettre dans la vie et qui qualité péché? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Et ensuite, wala yaghfiru dhunuba illa ant. Ça s'invite à Allah, les reconnaître. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. À part toi ou Allah, peine à personne qui est capable de pardonner nos péchés. Est-ce qu'il y en a qui, créature qui est capable de pardonner nos péchés? Moi, le prophète, au prophète, pardonne-moi mon péché. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est capable de dire son péché? Non. Moi, j'ai tel djinn, pardonne-moi mon péché, est-ce capable? Moi, j'ai tel ange, pardonne-moi mon péché, est-ce capable? Non. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Qui s'en là qui pardonne mon péché apporte Allah. Allah tout seul qui possède sa qualité de ghafour, pardonner. C'est un attribut qui lui appartient à Allah. Apporte Allah peine à personne qui rafour. Donc ça c'est invité à Allah, il peut reconnaître. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Peine à personne qui pardonne mon péché excepté toi ou Allah. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Donc étant donné que oh Allah m'a commis beaucoup désobéissance dans ma vie, oh Allah m'a fait moi-même beaucoup dito. Et étant donné que personne ne peut pas pardonner pardonne-moi ça m'a péché là, excepté toi, faghfirli. Faghfirli maghfiratan min indik. Alors, oh Allah, pardonne-moi. Faghfirli maghfiratan min indik. Pardonne-moi un pardon de toi. Accorde-moi ton pardon, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Et Allah, oh Allah, il a raham, il a pitié au moi. Innaka antal ghafur rahim, certainement ton ghafur, ton pardonnier, ton rahim, ton a beaucoup pitié. Donc, chers frères et sœurs, quand nous faisons salat, après tashahhud, nous finissons les attahiyat, nous finissons les dernières rakat, dernières sujets qui nous font assister dans salat,
نون فيني ليا التحيات نون فيني ليا درود اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد سي بامي بان بوين دوكي بوكو بامي نون ليا سادوا لا اللهم اني ظلمت نفسي نون ابران دي بيتي بيتي دونك سي جيسكا ماتنون il y a 20 ans il y a 15 ans il y a 30 ans il y a 40 ans mauvais faire namaz mais c'est moi jamais mon comprend tous les jours chaque salat me dit Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant mais seulement jamais mon comprend qui ça doit là me dire donc là mon connaît fait ses faux qui quand ça doit là peut sortir depuis dans la bouche quand mauvais faire salat faire les sorties, non seulement les vilaines phrases que vous pouvez prononcer. Mettre sincérité là-dedans. Montrer Allah subhanahu wa ta'ala qui vraiment, oh Allah, vraiment me voulait que vous pardonne moi. Vraiment me voulait te pardonner, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Montrer Allah. Plaignez avec Allah. Pleurez avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses jidats. Reconnaître nos erreurs. Et, inshallah, vraiment nous sincères, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nous. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fintan en dimon, les péliers de ce tashahud, Allahumma inni as'aluka ya Allah, al-ahad, al-samad, al-ladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufwan ahad, an taghfira li dhunubi, إنك أنت الغفور الرحيم أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله لبديع الله وبين ما أنت الله الأحد الله سبحانه وتعالى الإنك الصمد الله سبحانه وتعالى لصمد الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد Allah, les peines aucun enfant, ni les enfants qui qu'aiment. Ni Allah fin prend naissance, ni Allah fin donne naissance. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Peine à personne qui est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. An taghfira li dhunubi, qui te pardonne moi. Veut dire, ça s'est invité à là. Avant qu'il peut dire Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-li, l'in s'est invité Allah subhanahu wa ta'ala sur mon attribut. Allah l'unique, Allah l'indépendant, l'ibédia Allah, as'aluka ya Allah al-ahad, c'est lui qui est unique, as-samad, c'est lui qui est indépendant, alladhi lam yalid wa lam yulad, c'est lui qui, lam yalid wa lam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala, ni de naissance, ni de naissance, wa lam yakul lahu kufwan ahad, c'est lui qui est la personne qui est comparable à lui, Allah est incomparable. Peine la personne qui est capable de comparer lui-même à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après qu'il mentionne Allah sur mon attribut, Allah sur mon qualité, ensuite il finit dire, Antaghfirali dhunubi, qui te pardonne moi mon péché. Innaka antal ghafur rahim, certainement te ghafur, te pardonner, te rahim, te n'a beaucoup pitié. Ça, c'est une parmi mes façons. Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne-nous, qui quand nous pédimandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps nous prenons à l'habitude là. Quand nous pédimandons avec Allah, tous les temps nous prenons à l'habitude là, qui l'habitude, c'est nous commençons à nous faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala avant. Avant qu'il nous demande Allah ce qui nous bizarre, moi envie qu'il Allah pardonne-moi, grâce à l'habitude là, commence par faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, nous demandons à Allah ce qui nous vise. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le fintan et le djimun, peut dire, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd. Oh Allah, vous pouvez demander toi, bi anna laka alhamd, qui tout éloge pour toi. La ilaha illa an, peine aucun monde excepté toi. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار سنالالي لبنمان الله جنة إلي بسيس protection avec الله سبحانه وتعالى كون الانفير et toujours avant qu'il dit oh Allah me pédiment toi paradis et me بسيس protection avec toi كون الانفير qu'il dit fait les fin fait éloge الله سبحانه وتعالى les fin fait éloge Allah et ensuite les fin demande Allah paradis les fin بسيس protection كون الانفير
Rasul sallallahu alayhi wa sallam li dit avec son sahaba, est-ce que je te connais pour qui qu'il soit, Sajimullah, le fin de man Allah, man sahaba, dit Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus connu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pas c'est lui qui me rouh, lui trouve la solamé, mais dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait si moi pour Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, le fin de man Allah, pas ce man plus grand nom. Que si un jimoun lui demande Allah pour sa bannou là, Allah accepte ce doigt. Et si lui demande quelque chose, Allah donne lui. Comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour une dernière quelque chose que je peux dire, entre tashahoud et taslim et salam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je peux dire, Allahumma gfir li ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت et ensuite sajimun la li fin de man Allah subhanahu wa ta'ala pour une dua que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseignou Oh Allah, pardonne-moi ce qui m'a fait faire dans le passé. Mon péché qui m'a fait faire dans le futur. Nous ne pouvons pas faire ce mon péché là. Mais seulement nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah, pardonne-nous de mon péché qui nous commet dans le futur. Ce qui m'a fait cachette. Mon péché qui m'a fait faire en cachette, comme nous dit Allah. Ce qui m'a fait, mon péché qui m'a fait faire ouvertement. Et ente a'lamu bihi minni. Tu es plus connu que moi. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah plus connu mon péché qui nous. Allah subhanahu wa ta'ala li alim, Allah li kun concernant tout quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala li samir, Allah li tant tout quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala li basuir, Allah li tant tout quelque chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est sûr et certain que quand nous pouvons commettre une désobéissance, quand nous pouvons commettre un péché, Allah connaît. Allah subhanahu wa ta'ala li connaît. Peine à n'a rien qui cachait depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah y a connaissance concernant tout quelque chose. Allah li trouve tout quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala li donne tout quelque chose. Donc, sa mandoua là, li pour aider nous dans nos salats. Sa mandoua là, li pour aider nous dans nos salats. Par exemple, nous finis li à tashahoud, nous finis li à daroud, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Nous finissons les Allahumma inni zalamtu nafsi, par exemple, imam poko fait salam. Imam poko fait salam. Donc, parce qu'il nous reste tranquille, nous capables nous continuer des mandoua. Nous capables nous continuer des mandoua avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa mandoua que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne-nous là. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas qui vous demandez encore. Ils ne connaissent pas qui vous liez encore. La cause, ça, ils restent tranquilles. Donc, l'important pour chacun parmi nous, c'est vraiment, nous avons envie d'améliorer nos salades. Nous avons envie que nos salades deviennent une salade routine. Que pendant 25 ans, pendant 30 ans, tous les temps, après ta charout, nous avons dit Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kafira. Donc nous sommes capables de nous voir sa mandoua là. Nous sommes capables de nous voir sa mandoua là. Nous disons Allahumma inni zalamtu nafsi. Et l'autre côté, nous avons les autres doigts. Donc ça les amène une variation dans nos namaz. Ça aide nous pour nous pas faire nos salades, mais une salade monotone. Ça aide nous pour nous capables, nous avons plus plaisir dans sa salade qui nous fait faire là. Nous avons plus plaisir dans sa salade qui nous fait faire là. Et nous-mêmes, nous sommes contents. Nous-mêmes, nous sommes satisfaits que, ben, salade qui nous fait faire, ben, doigt qui nous fait lire, les voyer. Et non pas tous les temps, on peut rester même Afkar. Dans ce temps, on peut rester Subhan Rabbi al-A'la tous les temps pendant 20 ans, 30 ans. Tandis qu'il y a plusieurs dans les autres afkar que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne-nous dans ce temps. Dans ce temps, pas juste pour nous dire Subhan Rabbi al-A'la, c'est le moment que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut nous demander avec Allah. C'est le moment que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut nous plier avec Allah de sa position-là. Demander avec Allah subhanahu wa ta'ala ce qui nous bise. Donc, pas juste content nous-mêmes de ce jida, moi j'ai dit, Subhan Rabbi al-A'la. Surtout, mon frère, mon soeur, quand nous faisons namaz tout seul. Surtout, quand nous faisons namaz tout seul, nous avons tous nous les temps devant nous. Si nous faisons namaz d'un imam, peut-être nous ne sommes pas capables de demander.
Mais quand nous faisons un amas tout seul, nous avons tous les temps devant nous. Longue exercice qui nous envie, nous ne pouvons pas faire. Longue exercice qui nous envie, nous ne pouvons pas faire. Quantité de doigts qui nous envie, nous ne pouvons pas demander. Quantité de doigts qui nous envie, nous ne pouvons pas demander. Donc, pas, surtout quand nous faisons sur net, pas prendre l'île, comme on dit, ce qui est important, moi je fais des raccades sur net, 2 minutes, 3 minutes, fini, non. Faire ça sur net là, bien. Vous pouvez faire un namaz nafil, faire un namaz là, bien. Faire un namaz là d'une façon qui, ça, namaz là, les vignes, un moyen. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna salat et tenha anil fahsha'i wal munkar. Certainement, namaz, il empêche un dimon de faire une action immorale. Pour qu'il soit là, là, les vignes, un barrière, faudrait qu'il soit là, là, les vignes, un salat qui, il a couchure, il a concentration là-dedans. Pour les la salat là, il fait l'effet, il vient de barrière avec moi, avec ma désobéissance à Allah, avec ma action immorale. Et pas ma action, et pas ma moyen qui pourrait être nous pour nous gagner couchure, c'est dans ce jida, veut dire après ta shahoud, nous lire ça, ma doigt que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous là. Pour aujourd'hui, nous termine par la même, demande avec Allah subhanahu wa ta'ala que Allah aide nous pour nous apprendre ça, ma doigt là. La connaissance, jamais elle est finie. Nous besoin tous les temps faire des efforts. Continue, augmente nos connaissances. Surtout connaissance concernant dîn. Surtout connaissance concernant un ibadet qui nous oblige à faire tous les jours. Pas juste tous les jours, 5 fois par jour. Donc, chacun parmi nous, faire des efforts. Apprendre sa mandoua là. Afin qu'il ne soit pas content nous-mêmes juste avec certains, un seul adhkar, ou soit un seul doigt. Nous capables, si nous avons plusieurs adhkar, plusieurs doigts, nous avons une variété devant nous. Donc, dans une salade, je suis capable de lire un adhkar, un doigt, une autre salade, je peux lire un autre. Comme ça, nous pouvons trouver que sa salade là, les pouvons faire l'effet de nous. Sa salade là, les pouvons venir la joie pour nous. Nous pouvons content pour nous faire salade. C'est une ibadet qui nous-mêmes nous pouvons satisfaire avec lui. Et nous pouvons attendre. Nous pouvons attendre quand l'autre salade peut venir pour nous faire salade. Au soir, nous pouvons content pour nous faire un namaz, nafil. Qui fait? Parce qu'il nous peut gagner plaisir dans sa salade là. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous, facilite-nous, surtout mon frère, mon soeur qui est sincère, qui vraiment, vous êtes intéressé pour apprendre sa bandoua là, vous êtes intéressé pour amener mon changement dans votre salat, pour améliorer votre salat, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite vous, que Allah aide vous pour apprendre sa bandoua là, et inshallah, sa bandoua là, les mêmes moyens, pour que chacun parmi nous, nous améliore nos salat, nous fait nos salat, vienne plus bon. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين